Bonsoir, bande de fous! J'espère que vous aimeriez être quelqu'un d'autre, car aujourd'hui, on s'intéresse à qui vous aimeriez être vraiment, avec notre hashtag « Si un jour, une seule question et plusieurs réponses possibles, mais que répondrait votre entourage ?» Et si vous voulez le savoir, révélons! À Fribourg, Carnaval des Bols. On va interviewer les personnes sur une seule question. Mais qui aimerait être ces personnes le temps d'une journée? C'est parti! C'est parti! Oh, c'est dur. Superman. Superman. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Superman. Parce qu'il est beau, parce qu'il est parce intelligent. Invincible et puis tout, ouais. Ouais. Puis qui sauve le monde. Bah voilà. Voilà. Tout simplement. Bon. Pour moi, Obama, je pense. Obama? Pourquoi? Il a fait son devoir, maintenant il est tranquille. Et puis. Playa. Et puis c'est fini, moi, quoi. Je dis Trump ou bien? Du coup, je dis Trump ou bien? Non, non. En tout cas, pas lui. Moi, ce serait un super-héros assez nouveau. Créé par moi-même. Une femme alors? Une femme, même pourquoi pas des super nanas franchement? Ma petite fille Alban. C'est sympa hein Alban, d'avoir bientôt 3 ans. Sérieusement, Trump. Trump. Et pourquoi donc? Parce qu'il a l'argent. Qui c'est que vous choisiriez? Une femme pour voir ça. Une femme. Je serais Alice au Pays des Merveilles. Parfait. Coup, comme votre costume, voilà. C'est parfait. Barack Obama. Barack Obama. Direct. Je l'aime bien. Il a fait son temps. Il a fait son temps, là. Il doit avoir sa petite toune derrière. Ça serait bien, oui. Et Superman, pourquoi donc? Pour voler. C'est pas un numéro que je vous appelle, c'est là que ça me vient. Si vous pouviez, oui, le temps d'une journée, oui, être quelqu'un d'autre, personnage fictif ou réel? Ah bah non, bah ça va bien, là. Vous-même? Ouais, alors, franchement, ouais. Moi, ouais. Ouais. Parce que vous êtes quelqu'un de très spécial et que... Ah oui, alors, extraverti, tout, impeccable. Non, moi ça va bien, alors, ça va bien. Donc vous, non, ça va bien, ouais. Vous préfériez être vous-même? Ouais, avec un peu plus de thunes, peut-être. Ouais, voilà. Comme ça, Superman, tu te sens un peu un héros, tu peux tout faire. Invincible. Ouais, exactement. Un président du Mexique, un truc genre, juste pour le trip. Ouais. Le Brésil, pense que c'est. Ça aurait été Marilyn Monroe. Elle est sublime. Ouais. Belle, elle est talentueuse. Exactement. Moi, ce serait Poutine. Pour avoir la main mise sur un but tout, puis faire comme je veux, quoi. Moi, Daniel Vazella, comme ça, je nique un peu le pays, là. C'est bien, il y a un thème assez récurrent. Alors, moi, je pense que ça serait Hubert Audrier. Hubert Audrier, pourquoi? Hubert Audrier. Et moi, j'en ai une vie simple, stylée, puis surtout, elle peut rouler sans casque, quoi. Après ces personnes, je n'ai encore aucune idée. Tu aimerais être un garçon? Moi? Pour diriger un pays, finalement. Une star? Une star? Ouais, une chanteuse. Après qui? Ouais, une chanteuse. Ça peut être pas mal. Bah, c'est célèbre. L'ambiance, voilà. Ça serait bien. C'est la star américaine du monde, quoi. Ouais. Le chaperon rouge. Le chaperon rouge. Ouais, et, le chaperon rouge. Et pourquoi? Être dans les bois, se promener. C'est beau. Bah oui, moi j'aimerais aussi être l'astronaute, hein, pour être en liberté, loin de tout. Je pourrais être un tardigrade, c'est une bactérie, enfin non pas une bactérie, c'est génial. C'est tout petit, qui ressemble à des cochons. Ça vit plus de 1000 ans, puis ça peut s'endormir pendant je sais pas, une centaine d'années. C'est la classe. C'est petit, ça peut rien faire, mais c'est cool de vivre longtemps. C'est aussi un peu un super-héros. Est-ce que tu resterais toi-même? Ouais, je pense. Tu voudrais vivre ta vie, en fait, ouais, non, ouais, tout simplement. Ouais. Bah c'est parfait. Dalai Lama. Et pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup de bien. Cristiano Ronaldo. Et pourquoi? C'est mon joueur favori. Fais péter les stats, Michel. Qui voudrions-nous être le temps d'un jour? À 80%, nous resterions dans le monde réel, avec des politiciens et des stars. Tandis qu'un petit 20% trouverait dans leur rêve le personnage idéal. Et si nous nous penchons sur les raisons de leur choix, rien de bien étonnant pour les deux premiers. 43% le ferait pour l'expérience, pour quelque chose de nouveau. Un bon quart le ferait pour le pouvoir et l'argent. Après tout, quitte à vivre un jour, autant bien le vivre. Et pour les deux raisons restantes, 17% ne souhaitent pas changer de vie. Et les derniers 13% pensent avant tout aux autres. Ça fait chaud au cœur.
En conclusion, ce sont les femmes qui rêvassent le plus, avec un 38% de personnages fictifs contre 6% chez les hommes. Et quand on demande la raison générale de leur choix, une autre différence est à noter. Le pouvoir et la richesse intéressent plus les hommes que les femmes, avec un 41% masculin et un 8% féminin. Pour le personnage fictif le plus voulu, on reste sur du basique avec Superman, tandis que nous avons un étonnant Obama pour le personnage réel le plus voulu. Il est significatif de remarquer que les moins 18 ans ont principalement une envie d'expérience nouvelle, alors que dépassé la majorité, on recherche plus le pouvoir ou l'aide aux autres. Et nous finirons cette vidéo avec les réponses les plus déjantées. C'est ta tête, on va taper sur ta tête. Non, merde. On a besoin, c'est notre besoin. Moi, je serai moi. Je suis très bien comme je suis. C'est pas être quelqu'un d'autre, pourquoi? Le Servin. Le Servin. Vous pensez que c'est un personnage, ça? Non, je suis buzzer. Francesco, le pape. D'être en osmose avec moi-même, puis porter la bonne parole. Un Italien. Un Italien. Parce que je suis Italien. Et vous? Vous auriez répondu quoi? Vous pouvez me le dire en commentaire sur YouTube, réagir sur Twitter avec le hashtag si un jour et venir sur la page Facebook Lab Suisse Révélateur pour continuer le débat. Ciao ciao!